bonjour le monde et bonjour Nicolas. C'est la médaille, je te la dois en grande partie. Après, il y en a un peu avec tous les gens qui m'ont accompagné. Elle est là, la médaille du 73 d'Aix en Provence. Puis, Alpha, je te remercie de tous tes conseils sur la nutrition par rapport à mon groupe sanguin A positif que je partage, je crois, avec toi. Et qui m'a permis de passer en, depuis décembre, de 82 kg à 74,4 hier sur la balance, avec une masse graisseuse qui a tendance à disparaître, notamment sur l'abdomen. Et puis ça se ressent quand même dans les grimpettes. Il me reste à travailler mes problèmes de crampes grâce à tes conseils et à des conseils de nutritionniste, peut-être. Elles sont peut-être dues aussi à un certain stress. Donc, merci pour ton blog, La meilleure cyclo sportive, qui est pleine de richesses et pleine de bons conseils, notamment sur les fréquences de pédalage, toutes les petites techniques que tu donnes, et que j'essaye de mettre en pratique, et qui donnent quand même quelques résultats, puisque j'ai fini dans les temps mon parcours vélo. Par contre, bon, le semi-marathon derrière, j'ai morflé avec les crampes. Donc, tes webinaires aussi sont très très instructifs et en plus il y a de beaux échanges. Donc, je te remercie pour tout ton investissement. Et puis, je te fais confiance pour que l'année prochaine, je finisse tranquillement mon Ironman de Nice. Et puis je te signale aussi que je me suis inscrit à deux autres compétitions, dont un Alf de Vichy cette année, là, au mois d'août, tranquille. On va aller faire une petite cure de vélo, de natation, et puis de course à côté de Vichy, enfin dans Vichy aussi. À la meilleure cyclo sportive, je suis passé peut-être sur cyclo-sportive, puisque là, je m'attaque à des trucs un peu plus hard. Il faut savoir un minimum nager, ce qui est mon cas, et un minimum courir, ce qui est encore mon cas, et un minimum pédaler, ce qui est toujours mon cas. Comme quoi, à 63 balais, grâce à des bons conseils de Nicolas et des autres, on arrive à faire quelque chose de bien. Il faut savoir que j'ai commencé le sport à 60 ans, j'en ai 63, et que je pesais 135 kg. Donc, tout est ouvert à tout le monde. Allez, en espérant que tes conseils et ta gentillesse continuent à me booster. Je te souhaite une bonne journée, et encore merci pour tous tes conseils.